we are having this protestation because of the decision that the UK government took about the Chagossian. It looks like the Chagossian doesn't have a voice of what we want. They are dividing our family. They denied us our rights to return to Diego Garcia, where the US have their base, military base there. And the government is getting money from our island, and we are suffering with the Chagossian. We are living poorly in the UK, and we doesn't have any rights to go back to our island. Our native people are dying. Lots of them are in the wheelchair. You can see here, they are in the wheelchair. So the UK government has to do something for the Chagossian people. Enough is enough. It's about time they stop working on the Chagossian people. So we ask the UK government and all. Nous, nous sommes les Chagossiens. Le gouvernement anglais a pris une décision de ne pas nous laisser retourner dans notre île Diego Garcia. Donc on en a assez du gouvernement britannique parce qu'il nous prend pour des imbéciles. Parce qu'on n'a pas une voix, c'est pour ça qu'ils abusent sur nous. On n'est pas des gens agressifs. C'est pour ça qu'ils font toutes des choses, des trucs pour qu'ils marchent sur nous les Chagossiens. Ben nous les Chagossiens, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer vraiment à nous défendre, à lutter pour notre droit, parce que c'est une injustice que le gouvernement britannique est en train de faire avec les Chagossiens. Et notre famille est en train d'être divisée, séparée. Notre famille n'a pas les droits de venir ici au UK pour nous voir. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas s'arrêter là. On va donner une lettre au gouvernement anglais, britannique, pour qu'il prenne une décision, parce que la décision qu'ils ont prise, c'est une injustice, c'est un crime. Donc, nous les Chagossiens, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer à lutter.